Comme vous le savez, depuis la loi relative à la présomption d'innocence votée sous le gouvernement Jospin, les parlementaires peuvent visiter à tout moment un établissement pénitentiaire. Bon. Demain, les journalistes, c'est-à-dire vous qui êtes aujourd'hui ici, allez pouvoir nous accompagner lors de ces visites. Grâce à ce projet des prisons du cœur, tout le monde va pouvoir voir la réalité de nos prisons et de mesurer avec les mêmes instruments et sur la même base la réalité à laquelle nous souhaitons nous attaquer. Tout ça, ça donne un fil conducteur à ce qui va être le travail dans cette législature. C'est de faire rentrer le droit un peu plus en prison. Je crois que cette initiative est nécessaire et bienvenue. Plus on sera nombreux à pousser dans le même sens, plus elles auront des chances d'avancer. Il y a des matières et des sujets qui nécessitent effectivement qu'on arrive à se mobiliser. Et les entreprises, en tout cas c'est mon point de vue, doivent savoir répondre présent quand on les sollicite pour ce type de démarche. On renverse des montagnes avec des petits doigts à partir du moment où les petits doigts sont des millions. Je veux que mon petit doigt soit parmi les petits doigts qui bougeront cet abandon des hommes que je ne supporte pas du tout. Donc tout ça, je les ai beaucoup sollicités, on les a beaucoup embêtés, beaucoup rappelés de part et d'autre, mais ça les a fait beaucoup réfléchir, ils ont été très nombreux à nous suivre. Maintenant, on s'attaque aux sénateurs, grâce à M. Valigny et M. Le Serre, qui vont nous aider dans cette mission. Le combat continue.